Bonjour à nos amis canadiens. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de notre nouvelle constitution. C'est une des constitutions les plus modernes du monde. Notre nouveau gouvernement, notre rôle, c'est de l'appliquer. Et entre autres, c'est d'appeler nos amis canadiens à venir nous visiter en Tunisie pour nous rencontrer, pour voir l'accueil chaleureux qu'on leur donne, l'accueil humain. Ça, c'est la tunisianité, je pense. Mais la chaleur n'est pas seulement humaine, c'est la météo aussi. Quand vous voyez qu'il y a moins de 30 degrés aujourd'hui quelque part au Canada et que ça peut aller jusqu'à plus 30, il y a 60 degrés de différence qui peuvent remonter le moral, je pense. Pour avoir de bonnes vacances, il faut aussi bien manger. Donc nous vous invitons à découvrir la cuisine tunisienne, les douceurs de l'Orient, mais aussi la harissa, c'est très piquant, mais si vous l'essayez, vous voudrez toujours revenir en Tunisie. Nous misons beaucoup sur notre histoire, sur notre archéologie, sur notre civilisation méditerranéenne. Donc il y a beaucoup de choses à visiter. Voilà, donc j'espère que bientôt avec notre vol direct de Montréal à Tunis, que beaucoup de vous vont venir pour faire partie au fait de ce moment historique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour bâtir avec nous la première démocratie du monde arabe. Alors venez.